Bien le bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on parle des solides. Un solide est une figure en trois dimensions, c'est-à-dire qu'on peut voir toutes ses faces. Il y a deux familles de solides, les polyèdres et les non-polyèdres. Voyons en détail. Les polyèdres sont les solides où toutes les faces sont des polygones. Par exemple, le cube, le pavé droit et la pyramide. Les non-polyèdres sont des solides qui ont une base arrondie et des faces courbes, comme par exemple la sphère, le cylindre et le cône. Pour parler des solides, il faut faire une fiche d'identité. Dans une fiche d'identité, on met le nombre de faces, de sommets, d'arêtes, mais aussi la forme des bases et la forme des faces latérales. Prenons l'exemple de la pyramide, nombre de faces 5, nombre d'arêtes 8, nombre de sommets 5. La forme de la base est carrée et les faces latérales sont triangulaires. Allez, bonne révision !